Je vous aime beaucoup. I love you very much. Vous m'aimez aussi? Do you love me? Je laisse à notre pasteur. I give back, c'est mon pasteur associé. Même si je l'appelle votre pasteur, c'est toujours mon pasteur associé. Je suis jaloux de cette église. I am jealous. Bon, c'est mon pasteur. That's my pastor. Je vous assure, avoir un homme comme ça, c'est pas facile. Like him, it's not easy. C'est vrai. Dieu se sert de lui. God uses him. Parce qu'il voulait tellement cette puissance. Because he really wanted that power. Il m'a dit, comment tu fais pour avoir une grande puissance? How do you do to have such a great power? Il m'a dit, arrête la pluie. He said, stop the rain. J'ai dit, ah, on ne joue pas avec le don de Dieu. Don't you play with the gift of God? Alors, il a tellement parlé, je suis allé dormir. So much, I went to sleep. Le matin, la pluie a commencé. The morning, the rain starts. On partait où? We're going au zoo. Au zoo. Ah, j'ai parlé à la pluie. I spoke to the rain. Arrête de tomber. Stop falling. Et la pluie s'est arrêtée. And the rain stopped. J'ai dit que le soleil sorte. They let the sun come. Et le soleil est sorti. And the sun came. Il a dit, ah, oh, gloire. Je n'ai pas terminé. I said, I'm not done. Non, je n'ai pas terminé. No, I'm not done. Soleil. Sun. Retourne un peu. Come back a little bit. Que ça soit un jour nuageux jusqu'à ce que cloudy day until nous allons visiter le zoo. We shall visit the zoo. Et le soleil est allé. And the sun went. Et le jour est devenu nuageux. The zoo became cloudy. Vous direz que c'est un hasard. Gotta say it's some chance. Je ne crois pas. I don't believe that. C'est Dieu. It's God. Il agit à travers des hommes. He works through men. Alors depuis qu'il a vu ça, ever since he saw that, il est fort. He is strong. Maintenant quand il parle, now when he speaks, la chose arrive. The thing happens. Il est comme Josué. Like Joshua. Quand il a vu Jésus, when he saw Moïse ouvrir Moses opening. La mer rouge. Lui aussi il a dit, hey! He said, Jordan. Jordan. Et Dieu l'a accompli. And God fulfilled it. Il est exactement comme Élisée. It just like Elijah. Quand il a vu Élie ouvrir. When he saw Elijah opening. C'était quoi? Le Jourdain. Le Jourdain a souffert quand même. Jordan suffered, right? Lui il est rentré. He went back. Il a dit, où est le Dieu d'Ali? So where's the God of Elijah? Jourdain, ouvre-toi. Open up. Jourdain s'est ouvert. Jordan, ce sont des miracles, mes frères, que vous pouvez faire. That you can do. Votre Dieu, your God, est miraculeux. He's miraculous. Amen. Donne-lui des acclamations, des cris de joie. Donne-lui les acclamations ce soir. Give him applauses tonight. Praise the Lord. Il le mérite, n'est-ce pas? He deserves it, doesn't he? Aidez le frère José, s'il vous plaît. Oh my help brother Joseph, please. Hallelujah. Notre Dieu, il mérite toute la gloire. Our God deserves all the glory. Praise il mérite the Lord. L'honneur. He deserves the honor. Il mérite la louange. He deserves the praise. Amen. Il mérite les acclamations. He deserves the applause. Acclamez très fort pour notre Père. Put your hands together for our Father. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Moi, je comprends très bien l'onction de notre frère José. I understand our brother José's anointing. Praise the Lord. Ça me montre que Dieu a fait. That means God has done. Amen. Praise the Lord. Il m'a appelé le matin à 7h du matin. He's called me in the morning at 7 a.m. Il était menacé là-bas au travail. He was threatened there at work. Et il est arrivé dans son endroit du travail. He got at his workplace. Et il y a eu petite quelque chose là qui est arrivé. And there was a little incident that happened. Et on l'a interdit de travailler. On est parti le faire asseoir dans les bureaux. And they told him to pour attendre le manager, je crois. Wait on the manager, I believe. Alors il m'a appelé rapidement là. So he called me quickly then. Il a dit, j'ai besoin des renforts. He said, I need some backup. Alors j'avais dit que ça va arriver dans quelques minutes. I told him it's on the way, a few minutes, just wait. Notre roi, il est formidable. Our king is formidable. Hallelujah! Man, amen! Oh my, donne-lui des acclamations, give him applauses, brother. Notre Dieu, il est merveilleux. Our God is wonderful. Nous
sommes en train de parler de lui. Oh, we're talking about him. That's on right. On a besoin qu'il se manifeste. We want him to get manifest. On a besoin de témoignage. We need some testimony. On a besoin de savoir qu'il est là. We need to know that he's there. Amen. Praise the Lord. Ouais, je vous salue dans le précieux nom. Et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Are you feeling well tonight? Yes, sir. Je crois que ce soir, ça sera très bien. Believe tonight is going to be very... Yes, que Dieu vous bénisse, frère Obed. God bless you, brother Obed. I believe it's going to be it with the music for now. Ah, je crois que c'est fini avec la musique maintenant. Et vraiment, je suis content d'être ici. I'm happy to be here, really. Et je crois que prochainement nous allons avoir beaucoup de temps pour faire la publicité. Believe next time we're going to have more time to pour inviter beaucoup des enfants de Dieu. Advertisements to invite a lot of children. Hier, on était quand même bénis, n'est-ce pas? Yesterday we were blessed, weren't you? Yes. Je crois qu'aujourd'hui encore. Believe today again. Yes, sir. Ça sera bien. That's going to be well. Alors, yes. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons Don't lire dans Jean chapitre 14. We shall read in the book of John chapter 14. John chapter 14, verse 14. Jean chapitre 14, verset 14. It looks like I'm going to preach in English tonight. Ah, c'est comme si je vais prêcher en anglais ce soir. John chapter 14, verse 14. Jean chapitre 14, verset 14. Parce que c'est très précieux ce que nous allons parler, donc je dois aller seulement en français. Because it's very precious what we're going to talk about it, let's just go ahead and preach in French. Je ne veux pas que vous puissiez manquer quelque chose. I don't want you to miss anything. Je veux que je sois libre pour exprimer ce que Dieu voudra que je dise. I want to be free to express whatever God wants me to say. Ok, on va commencer au verset 14. Let's start at verse 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. If ye love me, keep my commandments. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Even the spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth him not, neither know of him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. I will not leave you comfortless, I will come to you. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Yet a little while and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. At that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Dieu notre Père céleste. God our Heavenly Father. Nous voulons que ce soir encore, tu sois béni, que tu sois élevé.
We want you tonight to be lifted up again. Nous voulons que tu sois glorifié, papa, pour tous tes bienfaits parmi nous. We want you to be glorified for all the goodness among us. Pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. For your love, your grace and your mercy. Que tu ne cesses de manifester à ton peuple. That you keep manifesting to your people. Seigneur, nous sommes venus parce que nous reconnaissons que nous sommes tes enfants. Lord, we came because we recognize we are your children. Et nous avons besoin d'entendre la voix de notre Père ce soir. We hear our Father's voice tonight. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te prions de descendre, Seigneur. That's why, God, we ask you to come down on us. Toi, le Dieu qui sait comment parler. You, God, that knows to speak. Viens parler, Seigneur, pour l'âme de chacun de nous, Père. Come to speak for each one of us, tu connais exactement ce que nous avons besoin d'apprendre ce soir. You know exactly what we need to learn tonight. C'est toi qui es le seul interprète de ta parole, oh Dieu. You're the only interpreter of your word of nous God. Te prions, Seigneur, de venir interpréter ce que nous venons de lire. Pray your God to come interpret what you just read. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Put us on the side. Et prends les contrôle, Seigneur, de cette salle. Prends le contrôle de ces dons que tu nous as donnés. Okay. Et puisses-tu parler à ton peuple ce soir pour ta seule gloire et pour ton honneur. Seigneur, bénis-nous. Bénis tes enfants, Père. Bless your children, ils sont venus si nombreux pour t'écouter, Père. They came so many to ils sont venus si nombreux pour te voir. So many to see you. Ne nous cache pas ta face ce Don't soir. Hide your face to us, Seigneur, montre-nous ta face. Show us your face, Lord. Seigneur, je sais que tu es déjà ici. Lord, I know you're already here. Et je sais que tu seras toujours là. Je te prie de nous aider, Père, dans cet enseignement sur le Saint-Esprit. Et nous voulons que tu viennes confirmer cela comme étant venu de toi, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Bénis mes frères, Seigneur. Bénis mes sœurs. Écarte-nous du chemin que toi-même tu parles à ton peuple. Élève-nous tous dans les lieux célestes en Jésus. Bénis nos âmes avec ta parole. Bénis-nous avec ta présence. Car nous te l'avons ainsi demandé dans le glorieux nom et précieux puissant nom du Seigneur Jésus Christ, notre seul maître et notre roi. Amen. Amen, amen. Pouvez-vous asseoir. You may be seated. Praise the Lord. Vraiment, encore une fois, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Once more, I greet you in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Je pense que nous sommes en train de parler sur un sujet qui est très très important. I believe we're talking about a very important topic. Et je crois and I believe que c'est pour bénir les enfants de Dieu. It is to bless God's children. Amen. Amen. Quand j'ai fini hier, what I was done yesterday. Alors, quand je suis parti pour revoir les citations, when I went to review the quotes, et je me suis dit que c'est comme si je ne suis pas bon dans l'enseignement. And I told myself it's like I'm not good in the teaching. Et c'est comme si moi je suis là comme Shamgar seulement pour press on, pour avancer seulement. Seems I'm just like Shamgar, just pressing. Et dans l'enseignement, même si vous préparez les choses là, mais ça reste. The teaching, even though you prepare things, but it remains. Les citations que j'avais préparées. The quotes that I prepared. Et je dis, ah mais il fallait que je lise ça, il fallait que je touche ici. Should have read this and touch over there. Mais je crois que là, c'est moi qui étais en train de dire. I believe I was the one saying. Mais ce qui a été dit ici, c'est ce que Dieu voulait que ça soit dit. What was said, it was God wanting me to say. Vous, si vous croyez comme ça? Do you believe as well? I do. Alors, hier, nous avions parlé sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Yesterday, we spoke about what is the Holy Spirit. Et nous avions dit que le Saint-Esprit était une promesse de Dieu. And we said the Holy Spirit is a God's promise. Et c'est Dieu qui nous avait promis le Saint-Esprit. And it's God that promised us the Holy Spirit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est un signe. We saw that the Holy Spirit is a sign. Que Dieu donne un signe à ses enfants. God gives a sign to his children. Le signe de l'alliance. The sign of the covenant. Comme il avait donné à Abraham. As he gave it to Abraham. Après que Abraham avait cru à sa parole. After Abraham believing in his word. Il avait la foi pour croire à la promesse de Dieu. He had faith to believe in God's promise. Et Dieu lui a donné un signe. And God gave him a sign. Un signe de l'alliance. Sign of the covenant. Qui était la circoncision. Which was the circumcision. Et aujourd'hui nous disons, les prophètes disent que
La circoncision du cœur, c'est le baptême du Saint-Esprit. And today the prophet said the circumcision. Est-ce que vous dites amen à ça? Do you say amen to that? Amen. Ah, donc c'est un signe, le Saint-Esprit. So the Holy Spirit is a sign. Et les prophètes avaient aussi dit, comme nous l'avions vu hier, the prophet said as well as we said, que le Saint-Esprit est aussi un sceau. That the Holy Spirit is also a seal. Dieu qui scelle son peuple. God sealing his people. Il met sa marque et il met son sceau sur son enfant. Put his mark or the seal upon his child. Et c'est ce qui crée la différence. That what creates the difference. Et même quand le diable il regarde, when the devil looks, il se dit que non, mais ici je ne peux pas toucher là-bas. Here, I cannot touch. Parce que ça c'est un enfant de Dieu. But this is a God's child. Ça c'est un fils de Dieu. It is a son of God. Et ça c'est une fille de Dieu. It is a daughter of God. Alors comment est-ce qu'on va savoir cela? And we will know that. C'est à partir de ce sceau que Dieu place sur son enfant. That seal that God put up on his child. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Et nous avions vu que le Saint-Esprit était notre assurance. We saw that the Holy Spirit was a assurance. Mais quand tu es à le Saint-Esprit, when you have the Holy Spirit, tu y es assuré. You are assured. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Tu as l'assurance. You have the assurance. Qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. The God watching over you. Peu importe qui est le vent, qui est le tornade, qui est la pluie. May the wind, the tornado, the tu as l'assurance que tu es un pèlerin à destination de la Jérusalem céleste. You have the assurance that you are pilgrim on the way to Jerusalem. Peu importe les circonstances. Doesn't matter the circumstances. Peu importe les situations. Doesn't matter the situation. Peu importe les épreuves. Doesn't matter the trials. Peu importe la maladie. Doesn't matter the sickness. Peu importe les moqueries. Doesn't matter the mockery. Mais au moins tu as l'assurance. But you have the assurance. Qu'un jour je quitterai cette terre. I am going to leave this earth. Et je rentrerai dans mon pays. I'll go back in my land. J'irai chez mon père. I'll go to my father. J'ai l'assurance. I got the assurance. L'assurance est bénie. The pleasure, the assurance. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Holy Spirit is the assurance. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Que je mange. May I eat? Que je ne mange pas. May I not eat? Que je gagne la vie. May I have food? Que je n'ai pas de l'argent. May I not have my... Mais j'ai l'assurance. I have the assurance. Qu'un jour je verrai le ciel. One day I see heaven. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Que je me marie. May I get married? Que je ne me marie pas. May I not get married? Que j'ai des enfants. May I have children? Que je manque des enfants. May I not have children? Que j'ai l'assurance. I got the assurance. Qu'un jour, one day, je verrai mon Rédempteur. I see my Redeemer. Man, amen. C'est ça le Saint-Esprit. That's the Holy Spirit. C'est l'assurance. That's the assurance. Et nous avions aussi vu que le Saint-Esprit, we saw that the Holy Spirit, c'est notre repos. It's our rest. Celui qui a le Saint-Esprit, the one who has the Holy Spirit, il se repose de toutes ses œuvres. He rests from all his work. Il est en paix. He is in peace. Il sait qu'il y a quelqu'un qui prend soin de lui. You know there's somebody taking care. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Quand tu as le Saint-Esprit, when you have the Holy Spirit, tu ne peux pas t'inquiéter du lendemain. You cannot worry about the tomorrow. Parce que le lendemain, because the tomorrow, il y a un Dieu qui prendra soin de cela. There's a God that is going to take care. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, somebody has the Holy Spirit, il se repose. He rests. Il y a quelqu'un d'autre qui réfléchit à sa place. Somebody else thinks for him. Et celui-là qui réfléchit, c'est son Dieu. And that one that thinks is God. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Quand j'ai le Saint-Esprit, je me repose. I rest. Même pour prendre soin de mes enfants, je suis en repos. I am in rest. Je sais qu'il y a un Dieu quelque part God somewhere qui va veiller sur toute ma famille. That will watch over all. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? Oh, si vous comprenez, dites amen. If you say amen. Amen, amen. Et nous avions aussi vu, we saw as well, que le Saint-Esprit, the Holy Spirit, était la puissance d'en haut. Was the upper power. C'était la puissance que Dieu avait promis à ses disciples. That was the power that God promised to his disciples. Il leur avait dit qu'il attendait à Jérusalem. He said, wait up in Jerusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Until you're going to receive a power. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. The Holy Spirit coming upon you. Et ça fera que vous soyez puissant. That will make you powerful. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Oh, le diable n'aura pas peur de toi. The devil won't be afraid of si you. Tu n'as pas le Saint-Esprit, Spirit. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit avant même de parler contre les sorciers, avant de parler contre les choses mauvaises. Tu as besoin d'avoir la puissance d'en haut. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères, je vous dis encore ce matin ou ce soir que le Saint-Esprit est très important. Ça donne la puissance pour marcher sur les scorpions, pour saisir les serpents,
Même si tu buvais un breuvage mortel, ça ne te fera absolument rien. C'est quand tu as le Saint-Esprit. C'est quand tu as Dieu en toi. Tu as la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, quand ça descend, c'est comme la pierre qui descendait sur la montagne sans le secours d'aucune main. Et quand ça descend, ça écrase tout ce qui est de l'ennemi. Ça écrase notre puissance. Ça écrase ce qui est de l'ennemi. Ça te donne la victoire. Ça te donne à être la tête. Je me sens bien ce soir. Quand tu as la puissance d'en haut, tu seras aussi d'en haut. Alléluia. Tu seras puissant. Tu seras fort. Il n'y aura aucun esprit qui va se jouer de toi. No spirit is gonna parce que tu vas dominer sur ça. Tu vas contrôler sur ces démons. Tu seras exactement comme Jésus. Exactly like tu auras la puissance qui était en Jésus. Quand il était devant le fou de Gadara, cet homme qui avait la légion des démons en lui. Mais quand il était devant Jésus, Jésus n'avait même pas dit un seul mot. Mais il dégageait la puissance. Il dégageait la puissance. Parce que lui-même, il était la puissance. Est-ce que vous croyez à ça? Quand cette puissance habite en toi, il n'y a aucun démon qui peut se jouer de toi. No demon can play with you. Si vous croyez à ça, dites amen. Que c'est que le Saint-Esprit, c'est notre avocat. C'est celui-là qui parle pour nous. Oh, my advocate. Il sait comment parler à ma place. He knows how to talk on my même behalf. Quand je prie, je ne sais pas comment prier. Pray. Mais j'ai quelqu'un qui intercède à ma place. J'ai quelqu'un qui parle mieux que ce que moi je peux dire. What I can say. Je peux pleurer. I can cry. Je peux prier. I can pray. Mais je n'arriverai pas à exprimer ce qui est dans mon cœur. Mais j'ai quelqu'un qui parle mieux à ma place. J'ai un avocat. Même quand je tombe. J'ai quelqu'un qui parle là-bas. Il parle à ma place. Même quand je suis faible, j'ai quelqu'un qui parle là-bas. Et il parle à ma place. Le Saint-Esprit, c'est lui notre avocat. C'est lui notre Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Le Saint-Esprit, il parle mieux que toi. Il parle mieux que moi. Il comprend quand tu es tombé. Peut-être que les hommes ne comprendront pas. Même lui aussi peut mentir. Mais le Saint-Esprit comprend bien. Et il sait comment il va parler devant ton Père. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Praise the Lord. C'est ton avocat. Il sait parler à ta place. Parce que toi, tu ne sais pas t'expliquer. Mais il y a un avocat. Notre avocat Jésus. Sans prix, sans payer. Sans argent. Quand tu es coincé, alléluia. Quand tu es devant un problème, c'est alors qu'il vient. Il dit que je suis son avocat. Je suis son avocat. Je sais comment expliquer à sa place. Je connais sa vie. I know his life. Je le connais. I know him. Je le connais. I know him. C'est moi qui ai créé son cœur. Je le connais. I know him. Notre avocat Jésus. Donnez-lui des acclamations, frère. Give him applause, his brother. Praise the Lord. Quand tu as Jésus en toi, when you have Jesus in you, tu es un homme béni. You are a blessed man. Tu es un homme heureux. Yes, you are a happy man. Tu es une femme heureuse. You are a happy white woman. Est-ce que vous croyez à ça? Quand le Saint-Esprit est en toi, tu es heureuse. Tu es heureux. Vous croyez à ça? D'où me viendront les soucis? D'où me viendront les problèmes? J'ai quelqu'un qui est dans mon cœur, qui est le consolateur, le Père éternel, le Prince de paix, l'avocat, le juge suprême. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Quand lui, il a décidé, il n'y a personne qui peut changer sa parole. Vous croyez à ça? Les juges de ce monde ils peuvent juger les cas comme ils veulent. Mais de notre côté, nous avons un juge. Un juge suprême. Le seul qui a les derniers mots. C'est lui quand il parle. Il n'y a personne qui peut enlever ça. Yes. Il a le dernier mot. Yes, the last word. Le seul et l'unique. The unique. Le
le véritable roi Bishima, le roi de gloire, the King of glory, le Seigneur des Seigneurs, the Lord of Lords, le Jéhovah Jiré, le Jéhovah Rapha, le El Shaddai, le El Olam. Alléluia. Oh, je me sens bien. Feeling well. Je ne fais que rappeler ce qu'on a vu hier. I'm just recalling what we said yesterday. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est une portion qui nous satisfait pleinement. Is a portion that satisfies us. Aussi longtemps que je sais qu'il est là. As long as I que je mange. May I eat que je ne mange pas. May I not eat. Je suis déjà rempli. I am already full. J'ai quelque chose dans mon cœur. Qui me satisfait pleinement. That satisfies me fully. Je n'ai plus besoin d'aller dans les boîtes de nuit. I don't need to go to the je club. N'ai plus besoin de suivre les filles de ma communauté. Je suis déjà satisfait. I am already satisfied. Je le suis satisfait pleinement. I am satisfied fully. J'ai la portion qui me satisfait. I got the portion that Moïse satisfied. A demandé à l'Éternel. L'argent tu as donné aux Lévites. Mais qu'est-ce que moi j'ai? What do I have? L'Éternel a dit à Moïse. Moses, je suis ta portion. I am your portion. Tu as manqué dans ce monde. You didn't have it this tu as manqué de millions. You didn't have tu as manqué way. De maisons. You didn't have mais tourne tes regards vers le ciel. Jésus-Christ est ta portion. Jesus Christ is qui te remplit, qui te satisfait pleinement. You fully, man, amen. Vous croyez à ça? Do you believe? Donnez à Dieu des acclamations. Give to God a round of applause. Oh, le Saint-Esprit est content ce soir. Holy Spirit is happy tonight. Il est en train de se mouvoir. He's moving. Je le sens partout sur moi. All over me. Je sais qu'il est content ce soir. I know he's happy tonight. Est-ce que vous l'aimez? Do you love him? Acclamez très fort pour lui. Put your hands together for him. Oh my, je me sens bien. I'm feeling great. Et aujourd'hui, and today, qu'est-ce que je veux prêcher? What am I going to preach? Je veux parler sur pourquoi. I'm going to talk about why. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. A-t-il été donné? Was he given? Est-ce que nous voulons apprendre ça? Do we want to learn about it? Yes. Moi aussi, je veux apprendre. Me too. I want to learn. Pourquoi? Why? Le Saint-Esprit. Was the Holy Spirit? A-t-il été donné? Was he given? Le prophète dit ceci au paragraphe 3. Prophet says this il a dit hier nous parlions de ce qu'il était. Yesterday we spoke about what he was. Nous parlions de qu'est-ce que c'était le Saint-Esprit. We spoke about what was the Holy Spirit. Et nous avions vu tout ce que nous venons de rappeler là. And we saw what we just reminded. Et aujourd'hui ce soir. Today, tonight, nous voulons parler sur les buts pour lesquels il a été envoyé. We want to talk about the purpose why he was sent. Dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? In what purpose God was sent the Holy Spirit? À quoi sert-il? What is he used for? Si c'est quelque chose de tellement glorieux. If it's something that is such glorious. Alors pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? So why did God send him? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Vous croyez que le Saint-Esprit c'est quelque chose de glorieux? Mais si c'est glorieux, if it's glorious, alors nous devons apprendre. We need to learn. Pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé? Why did God send him? Pourquoi Dieu peut nous envoyer quelque chose de glorieux? Why can God send something that is glorious? Faut maintenant dire au paragraphe 19. Ça c'est le grand but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. This is the great purpose why God. Et c'est à partir de ça que nous allons décortiquer un peu. From there that we're going to break it down. Frère dit ceci. Says this. Maintenant. Now. Le but, quel est le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? What's the purpose why God sent the Holy Spirit? Maintenant, je noterai ça dans Jean 14. Now I'm going to quote it in John 14. À partir du verset 14. Starting verse 14. Et de continuer à lire les chapitres comme base. As a basis. Écoutez ceci. Listen to this. Le but pour lequel Dieu. The purpose why God. Nous le voyons ici a envoyé le Saint-Esprit. We see him sending the Holy Spirit. C'était un seul but. It was only one purpose. Alors quel est ce but là, c'est que Dieu lui-même puisse habiter dans son église and dwell in his church et poursuivre ses projets à travers l'église. And continues playing through the church. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Why was the Holy Spirit sent? C'est que Dieu voulait habiter dans son église. God wanted to dwell in his church. Et il voulait continuer ses projets. And he wanted to continue his plan. Il voulait poursuivre ses projets. He wanted to continue his plan. À travers l'église. Through the church. C'est que Dieu était en Christ. God was in Christ.
Et il poursuivait ses projets à travers Christ. And he was continuing his plan through Christ. Et de Christ, and from Christ, il est passé dans l'église. He went through the church. Et il poursuit son œuvre à travers l'église. And he continued his work through the church. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? I do understand. Le but pour lequel Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? The purpose why God sent the Holy Spirit. Ça veut dire que Dieu a un plan. That means God has a plan. Dieu a un projet. God has a project. Et le projet que le Dieu du ciel avait formé. And the project that God of heaven made. C'était qu'il voulait être dans son peuple. He wanted to be in his people. Il voulait être dans son église. He wanted to be in his church. Et il voulait continuer ses œuvres. And he wanted to continue his work. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Dieu. God. Il a pensé dans sa tête. Thought in his head. Il avait un plan pour toi. He had a plan for you. Un plan pour chacun de nous. A plan for each one of us. Et qu'est-ce qui était son plan? What was his plan? Il ne voulait pas rester là au ciel. He didn't want to stay there in heaven. Il voulait venir être en toi. He wanted to come in you. Ça, c'est le but pour lequel that's the purpose why. Il a envoyé le Saint-Esprit. He sent the Holy Spirit. Man, amen. Vous comprenez? Do you understand? Tout ce qui est comme message, all that is message que le prophète William Branham a prêché, c'est ça le but pour lequel on a ce message. Why of this message. Ça, c'est le nez du message. That's, the important part of si on se demande c'est quoi le message, he's asking what the c'est message. Ça le message. That's the message. C'est que Christ avait habité dans son église. Christ wanna et il veut poursuivre ses projets, poursuivre ses œuvres. Est-ce que vous croyez ce que je dis? What I'm saying, I do believe. Mais je me sens très bien ce soir. I'm feeling so well. Il a des projets. Yes, plans. Qu'il voulait continuer à faire dans cette église. He wanted to continue to do in his church. Continuer à faire dans son église. Continue to do in his church. Son église c'est son peuple. His church is his people. Alors comment est-ce qu'il devait le faire? How would he do that? Alors il avait réfléchi. Then he thought. Il a dit pour que je puisse arriver jusqu'à entrer dans Commercial Avenue. He said in order for me to come get in Commercial Avenue. Je dois envoyer le Saint-Esprit. I have to send the Holy Spirit. Parce que sans le Saint-Esprit, because without the Holy Spirit, c'est impossible pour que je puisse aller là-bas. It's impossible for me to go over there. C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important. That's why the Holy Spirit is so important. Car Dieu va continuer son œuvre en toi. God will continue his work in you. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Do you understand what I'm saying? I do. Alors, je vais aller lentement pour que nous puissions comprendre. I'm going to go slowly so we can understand. Frère Branham a dit ceci. Brother Branham said this. Quand Dieu avait créé l'homme, when God created the man, Dieu était content. God was happy. Et il était satisfait. And he was satisfied. Parce que avant la création de l'homme, because before the man's creation, Dieu était appelé Elohim. God was called Elohim. Dieu au pluriel. God in plural. Dieu qui avait tous ses attributs à l'intérieur de lui. God that had all his attributes inside him. Quelqu'un, un Dieu qui a existé par lui-même. A God that was by himself. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? I am. Dieu qui était seul. God that was alone priest. Le Dieu qui avait le monde entier à l'intérieur God de lui. God that had the whole world inside him. Ça veut dire que là où il était. That means where he was. Il avait les arbres en lui. Oh my, he had the trees in him. Il avait le soleil en lui. He had the sun in him. Il avait la mer en lui. He had the sea in him. Il t'avait en lui. He had you in him. Vous comprenez ce que je dis? Do you understand what I'm saying? C'était Dieu au pluriel. It was God in plural. Dieu qui était, qui avait la tribu d'un guérisseur en lui. God that had the attribute of a healer in him. Dieu qui était le grand médecin. God that was the great physician. Dieu qui était Jéhovah Jireh. God that was Jehovah Jireh. Jéhovah Shama. Jehovah Shama. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Et tout cela était en lui. And all that was in him. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? I use it, I et c'est Dieu a dans cet état là. And God is at stake. Il avait été appelé Elohim. Was called Elohim. Après, il a dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Said, I cannot be this way. Je dois créer des choses. Oh my, I gotta create this. Je dois avoir des adorateurs. Worshippers. Des gens qui vont m'adorer. People who are gonna worship parce qu'à ce moment-là, it was in that time. Il n'était pas Dieu. He wasn't God.
Oh my. Est-ce que vous dites amen à ça? Say amen to that. Il était Elohim. He was Elohim. Le Dieu qui a existé par lui-même. Oh my, the God that existed. Mais il n'avait pas quelqu'un pour l'adorer. He didn't have anybody to worship. Parce que Dieu c'est un objet d'adoration. Because God is object of worship. Il fallait que les gens soient là. People were with him. Qui dansent Wabishuma pour lui. He danced God of wonders. Alors ça fera de lui un Dieu. Then it's going to make of him God. Praise the Lord. Vous comprenez ce que je dis? Do you understand what I'm saying? Alors il était seul. The Lord, he was alone. Alors frère Bonhomme m'a dit brother, que Dieu a pris la décision, God took the decision, de changer son statut à lui. Oh, il a dit je dois changer mon statut. I gotta change my status. Je dois changer mon appellation. Je dois avoir une famille. I need to have a family. Hallelujah. Alors il a changé de forme. Then he changed the shape. Il a commencé à créer des choses. He started creating things. Hallelujah. Vous comprenez cela? We understand that I do. Il a commencé à parler. He started speaking. Parce qu'il avait tout à l'intérieur de lui. Because he had everything inside. Il a commencé à faire sortir ça un après l'autre. He started bringing it out one after another. Il a commencé à mettre l'ordre. Start setting up the order. Dans le monde qui était en forme et vide. In the world that was with no shape and ça, nous sommes dans Genèse 1. We are in Genesis 1. Quelque chose qui était informe, sans something forme. That was shapeless. Et vide, il n'y avait rien. Void, there was nothing. Mais ce grand esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Hallelujah, that great spirit that was moving up on the waters. Hallelujah. Il a commencé à parler. Hallelujah, he starts speaking. Je veux que la lumière soit. I want the light to be. Et la lumière fut. And the light was, praise the Lord. Je veux qu'il y ait une séparation. I want a separation of entre light. La lumière et le ténèbre. Between the light and the darkness. Voilà l'auteur de la séparation. Beyond the order of separation. Hallelujah. C'est le Dieu. Oh my. Créateur des cieux et la terre. That the God creator of heaven and earth. Qui est l'auteur. God is the author. Pas de la division. They are not of division. Mais de la séparation. But of the separation. Il a dit à partir d'aujourd'hui, from now on, qui est un jour may the day be, et qui est une nuit. And may the night be. Et tout d'un coup, il y a eu une nuit. And suddenly, there's a night. Il y a eu un jour. And there's a day. Il a dit, bon, je dois continuer le travail. So let me continue to work. Bon, la terre doit se séparer d'avec les eaux. So the ground got to be separated with the water. C'est Dieu qui est le séparateur, le séparatiste. The separatist. That's right. Il a séparé les choses. Separated things. Et dans tout ça, il disait que c'était bien. And in all that he was saying, c'était bien, mais il n'y avait pas un être comme lui. Praise the Lord. It was good, but there wasn't a being. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Il a pris la décision. He took the decision. Que je dois créer quelqu'un comme moi. Then we create somebody like me. Alors il a dit, descendons. Then he said, let's go down. Créons l'homme. Let's create a man. À notre image. Et à notre ressemblance. And our likeness. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, et il a créé l'homme. Oh, selon son image. Selon sa ressemblance. Quelle était la ressemblance de Dieu? C'était l'esprit. C'était Dieu. Et c'était un homme à esprit. Je pense que vous comprenez, non? C'était un homme qui était double. That was a double man. Un esprit ayant deux esprits à un. A spirit that have two spirits in him. Mâle et femelle en un. Male and female in one. C'est pourquoi le prophète dit que l'homme et la femme sont inséparables. That's why the prophet said the man and the woman are not separable. Ils viennent de la même place. They come from the same place. Au commencement, ils étaient un seul esprit. Beginning, they were one spirit. Vous croyez à ce que je dis? Do you believe what I'm saying? I do believe. Alors quand il a créé l'homme, so when he created the man, il est devenu Jéhovah. He became Jehovah. Le créateur. Hallelujah, the creator. Jéhovah le créateur. Jehovah the creator. Qui ne voulait rien dire que le père de famille. That means only the father and the family. Hallelujah. Il a eu une famille. Family. Il a dit que maintenant. He said now. J'ai quelqu'un qui est comme moi. I have somebody that is like me. Praise the Lord. Il a créé quelqu'un. He created somebody. Qui pouvait l'appeler père. That could call him father. Hallelujah. Et il pouvait dire oui mon fils. Oh, he could say yes my son. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? What do you want, my son? Et quand il a créé cet homme, when he created that man, quand il a créé cet homme, when he created that man, je parle d'abord de l'homme esprit. About the il n'y avait pas un homme qui devait cultiver la terre. That was to cultivate the ground. Alors, à partir de la poussière de la from terre, the dust of the Dieu a fabriqué la terre. God made up the
Et il a pris cet esprit-là. Il a placé ça à l'intérieur. On a vu Adam. And Adam was so sin. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Adam, Adam n'avait pas un autre père. Didn't have any other father. Si ce n'est que Dieu lui-même. But God himself. Vous êtes avec moi? Are you with me? Vous chercherez la mère d'Adam. Genesis, Adam's mother. Vous ne la trouverez pas. You won't find her. Come on now. Adam avait un père. Adam had just one father. Qui était le Seigneur Jésus-Christ. That was the Lord Jesus Christ. L'éternel créateur. The eternal creator. C'est Dieu qui a créé Adam. God that created Adam. Hallelujah, hallelujah. Adam l'appelait père. Adam called him father. Et Dieu l'appelait fils. And God was calling him son. Il était un père de la famille. He was a father in the family. Alors, à son fils bien-aimé. So to his beloved son. Qui était l'héritier du trône à ce moment-là. Hallelujah, that was the throne. Parce qu'il était seul. Because he was alone. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne pouvait pas garder ses richesses à lui. He could not keep his richness. Il devait donner ça à celui qui devait l'hériter. He was to give it to the one that was Et la personne qui devait l'hériter, the one that was to inherit, c'était Adam. Was Adam. Adam avait le pouvoir. Adam, had the power. Adam avait la puissance. Adam, had the power. Adam c'était l'enfant de Dieu. Adam is the son of God. Et ce que Adam faisait, What Adam was doing. Dieu sanctionnait cela. God was agreeing with that. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you sure? Yes. Au point que Dieu, to the point that God, il a assisté ce jour-là dans le culte. He attended that service. Là où le pasteur Adam devait faire sa première prédication sur la nomenclature. Where Pastor Adam was to make the first sermon upon the nomenclature. Alors le grand roi du ciel, so the great king of heaven, il a quitté le ciel. He left heaven. Il est venu à l'église ce jour-là. He came to church that day. Il est assis sur le banc. Sat on the bench. Et le frère Adam, Brother Adam, le pasteur Adam, Pastor, il a commencé à prêcher la parole. Preaching the word. Bon, levez-vous, va lire la parole de And Dieu. Mais lion et tous les animaux ils se sont mis debout. The lion and everybody stood il a lu au commencement. Right in the beginning. Dieu créa. God created. Et il a parlé, il a parlé. He spoke. Il a dit maintenant, he said, now, je vais commencer ma prédication. I'm start my sermon. Toi là, you there, à partir d'aujourd'hui, today, on t'appellera lion. He'll be called lion. Et l'éternel qui était là, il a dit amen. He said, amen. Et toi là, parce que tu as un long cou, you have a long on t'appellera neck, giraffe. You'll be giraffe. Et l'éternel a dit amen. And the Lord said, il a dit toi là, parce que tu es en train de sauter sur les arbres, jumping on trees. On t'appellera singe. You'll be called monkey. Et le père a dit amen. The father said, amen. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Hallelujah. Il a nommé toutes les choses. He named all the things. Et à la fin, il a prié. He prayed. Il a appelé son père, viens clôturer. The father, come on and close it. Et le père est venu. The father came out. Il a dit, oh père, je te remercie parce que l'enfant a grandi. Il a fait les choses exactement selon mes pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Adam ne faisait que ce qui était dans la pensée de Dieu. Parce qu'il était un enfant direct de Dieu. Direct son of God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a nommé toutes les choses. Et à la fin, il a dit, mais come on. J'ai appelé toutes les choses. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui me ressemble. That looks like me. My. Vous vous sentez bien? Are you feeling well? I am feeling so j'ai bad. Vu les lions. Praise the Lord. J'ai vu la lionne. I see the lion. J'ai vu la girafe. I see the giraffe. J'ai vu l'éléphant. I see the elephant. J'ai vu les gorilles. I see the gorilla. J'ai vu les singes. I see the monkey. Mais je n'ai pas vu quelqu'un. I didn't see anybody. Qui pouvait être comme moi. That can be like me. Il est rentré chez son père. Oh, he came back to daddy. Et papa. Dad. Papa. Dad. Papa. Dad. Mais qu'est-ce qui ne va pas? What's going on? Il dit, bon, je te comprends. Say, okay, I understand. C'est pas un problème. That's not an issue. Quand Adam était en train de dormir, when Adam was sleeping, Dieu a injecté encore la dose de sommeil. God put some more dose of sleep. Il a ouvert seulement son côté là. He opened up the side. Il a enlevé quelque chose. He removed something. The ribs, la côte. Yeah, the rib. Et il est allé fabriquer Eve. And he went to manufacture Eve. Eve était fabriquée par Eve was la matière qui constituait Adam. By the matter that was in Adam. Elle était réellement la partie d'Adam. She was a part of Adam. Vous comprenez ce que je dis? You understand what I'm saying? Eve n'avait pas été fabriquée par la poussière comme ça seulement. It wasn't manufactured by the dust. Dieu avait pris la côte d'Adam. God took the rib of Adam. Et il a fabriqué Eve. And he manufactured Eve.
Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Eve, c'était le sous-produit d'Adam. Eve was a byproduct of Adam. C'était le même produit avec lequel on avait créé Adam. Product that Adam on was a enlevé made seulement quelque chose. Just took something. On a fabriqué Eve avec ça. It's a manufactured Eve. C'est le type de Christ et de son église. The type of Christ and his church. L'église n'est rien d'autre church is nothing else. Que la partie de Jésus-Christ. The part of Jesus Christ. Amen. Pas fabriqué par des credos. Not manufactured by creed. Il n'est pas fabriqué par une dénomination. Not manufactured by denomination. Fabriqué par les côtés de Jésus. Manufactured by the side of Jesus. Vous comprenez ce que je dis? You understand what I'm saying? I do. Et Dieu a créé. Il a dit bon cette fois-ci. God created it, said this time. On l'appellera Eve. She's going to be called Eve. Parce qu'elle est vraiment l'os de mes os. Because she's really the bone of my bone. Chair de ma chair. Flesh of my. Comment est-ce qu'Adam savait ça? How did Adam know that? Par révélation. Through revelation. Parce qu'on ne l'a pas informé. Because he wasn't made aware. Lui-même, il a regardé, il a dit, ah, looked, said, ça c'est moi. That's really me. Et là aussi, le Père a dit, the Father also said, amen. Amen. Le Père a dit, oui, ça c'est vrai. Said, yes, that's true. J'aime ça, Sœur Généreuse. I love that Sister Generous. Et le Père dit, amen. And the Father said, amen. Il doit dire amen pour nous ce soir. He has to say amen for us tonight. Vous croyez à ça? Do you believe that? Alors Dieu était en famille. So God was in his family. Frère Benoît dit, il descendait dans la colonne de feu. Brother Bram said he was coming down in a pit of fire. Il venait dans sa famille. Was coming in his family. Chez lui. At his place. Il s'asseyait. He was sitting down. Et il appelait ses enfants. Was calling his children. Adam. Adam. Oui papa. Yes dad. Est-ce que tu as mangé? Did you eat today? Oui, papa, j'avais mangé. Yes, that I ate. Oh my! Frère Benoît m'a dit, il avait la communion avec Adam chaque soir. He had fellowship with Adam. Il descendait. Alléluia, he was coming down. Praise the Lord. Et Adam n'avait pas à mourir. Adam couldn't die. La chose qui tuait n'était pas là. The thing that was killing wasn't there. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Adam était Dieu en miniature. Adam was God in Frère Benoît m'a dit, il peut placer les rivières. He was crossing the river. Il déplaçait les montagnes. Was moving the mountain. Il marchait même sur les eaux. He was even walking up on the water. Mais il était Dieu. He was God. That's right. That's right. Oh, Adam, quand il avait besoin de la mangue. Adam, when he wanted the mango. Il disait, mangue, j'ai besoin de toi. He was telling mango, I need you now. Et la branche descendait. And the branch would come down. Donnait la mangue à Adam. Give the mango to Adam. Et ça retournait. And it was going back. Adam commandait la nature. Adam was commanding the nature. Il avait comme ami les lions. He had the lion as a friend. Il venait tout autour de lui. He's coming all around him. Il causait avec eux. Talking with him. Comment ça va, monsieur le lion? How's going, brother, Mr. Lion? Tu as grandi un peu, hein? You've grown a little bit. Vous comprenez ce que nous Do disons? You understand what I'm saying? Vous croyez que c'est la vérité? Do you believe the truth? I believe that. Adam. Adam. Il avait l'autorité. He had the authority. Dieu le lui avait donné. God gave it to him. Pourquoi? Why? Just because he was son of God. Juste parce qu'il était fils de Dieu. Et Dieu a parcouru ses regards pendant tous les temps. And God looked out throughout all the times. Il a cherché quelque chose qui pouvait bien protéger son enfant. He looked for something that could protect his child. Frère Benoît m'a dit, quand Dieu a regardé, when God looked, il n'a rien vu de bon. Oh, he didn't see anything. Et il leur a donné sa parole. Gave them his word. Il a dit que la parole de Dieu he said God's word va vaincre le diable will defeat the devil dans chaque circonstance, each circumstance, à tout moment. Anytime, à chaque instant, anything, à chaque endroit, any place, la parole de Dieu vaincra. God's word will defeat. Pourquoi? Anyway, parce que la parole de Dieu n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Nothing else but God himself. Man, vous croyez à ça? Do you believe, alors you? Dieu leur a donné sa parole. God gave them his word. Hallelujah. Mais l'homme a désobéi à sa parole. But the man disobeyed to his word. La femme était séduite. The woman was deceived. Le prophète dit qu'Adam n'était pas séduit. The prophet said Adam wasn't deceived. C'est Eve qui était séduite. That Eve was deceived. À cause de l'amour qu'Adam avait. Because of the love that Adam had. Pour Eve. What if?
Il a accepté de pécher. He accepted to sin. That's right. Et la mort est entrée. And the death stepped in. Le premier jour, the first day, il appelle lion. He calls lion. Longbawa. Oh, get out of here. Damba, courage, hein? You have some kind of courage, man. Ça avait commencé là-bas. That's where it started. Quand le péché est entré. When the sin stepped in. Il s'approche un peu vers comes closer to l'ours. The bear. L'ours le regarde seulement. The bear just looks. Oh, et comme il voit. Ah, that the way it is now. Et la communion a été complètement brisée. And the fellowship was completely broken. C'est ça le problème. That's the issue. La mort est entrée. The death came in. Les choses qui étaient faciles sont devenues difficiles. The things that were easy became difficult. Adam devait commander l'ambulance. Adam now was to call on the ambulance. Il devait chercher comment organiser la police. Was to seek out to organize the police. Parce que les crimes étaient entrés. Because the crime came in. C'est là que le problème a commencé. That's where the problem started. That's right. Alors Dieu est descendu. Then God came down. Comme un bon père. As a good father. Un père de compassion. A father of compassion. Il avait très mal. He was hurting. Il savait qu'Adam était tombé. He knew that Adam fell. Mais il avait beaucoup d'amour. But he had so much love. Et il est descendu. And he came down. Le soir. In the evening. À l'heure où ils ont toujours eu la communion. At the times they always have communion. Il descend à la maison. Gets down home. Non, l'enfant n'est pas là. The child is not around. Il n'a pas dit que bon. He didn't say, okay. Je m'en fous de lui. Hein, I don't care about him. Je cherchais comment me débarrasser de lui. I was even trying to get rid of him. Je m'attendais. Je savais qu'il allait tomber. I knew it fall. J'allais me débarrasser de lui. And get rid of him. Il n'a pas dit ça. That's not what he said. Il est entré. Came Adam. 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 Où es-tu? Where you at? Adam. Adam. On a l'habitude de se voir à l'église. We get used to meet at church. Mais pourquoi tu ne viens plus? Why don't you come anymore? Adam. Adam. J'ai envie de communier avec toi. I want a fellowship with you. Mais je ne te vois pas. But I can't see you. Adam, where are you? Adam, où es-tu? Oh non, je suis ici, je me cache. I'm here hiding myself. Tu te caches pourquoi? Why are you hiding yourself? Est-ce que tu as fait la chose que je t'avais interdit? Did you do the thing that I forbade you? I forbade you. Ce n'est pas moi. It's not even I. C'est la femme que tu m'as donnée. That's the woman you gave me. Et nous connaissons tous l'histoire. And we all know the story. C'est à partir de là. That's from there. Que la mort est entrée. That the death stepped in. Mais Dieu étant compatissant. But God being compassionate. Il n'a pas envie de perdre son enfant. Doesn't want to lose his child. Il a promis. He promised. Qu'il enverrait un sauveur. That he would send a savior. Pour racheter son enfant. To redeem his son. Pour enlever la mort. To remove death. Vous comprenez? Do you understand? Pourquoi? Why? Pour que nous puissions retourner dans notre position originale. So we can go back to our original position. Pourquoi? Why? Pour que nous puissions prononcer la parole. So we can say the word. Que la chose arrive. May the thing happen. Vous comprenez? Do you understand? Pourquoi un sauveur? Why a savior? Pour que Dieu descende. So God can come down. Qui te disent que j'ai entendu tes prières. And tell you I've heard your prayers. Et je l'ai fait. And I have done that. Ça, c'est le but d'un sauveur. That's the purpose of a savior. Vous comprenez jusque-là? Je veux parler calmement pour que vous compreniez. I want to go calmly so you can understand. Pourquoi fallait qu'il vienne? Why was he to come? Pour que tu reviennes, que tu retournes en Éden. So you can go back to Eden. À l'endroit où tu peux commander même à la nature. At the place you can even command to the nature. Tu peux dire qu'il ne va pas pleuvoir. You can say it won't rain. Et il ne pleuvra pas. And it won't even rain.
Vous croyez à ça? Do you believe that I do? Alors qu'est-ce qui amène que cela arrive? What brings that to happen? C'est le Saint-Esprit. That the Holy Spirit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why was the Spirit given? Pour te ramener dans la communion avec ton Père. To bring you in the fellowship with your Father. Praise the Lord. Vous avez compris? Yeah. Did you get it? Pourquoi le Saint-Esprit est venu pour entrer en toi? Why did the Holy Spirit come to step in you? Pour que quand Ruth et tu vas prier. So when you're going to pray. Il n'y a rien qui empêcherait que ton Père puisse t'écouter. Nothing will prevent your Father to hear you. Et ton Père descendra pour te répondre. And your Father will come to answer you. Il viendra te dire que voilà ce que tu veux connaître. He'll come tell you this is what you want to know. Ça c'est le but du Saint-Esprit. That's the purpose of the Holy Spirit. C'est de te ramener dans la communion parfaite. To bring you in the perfect fellowship. Avec qui? With who? Avec ton Dieu. With your God. Avec ton Père. With your Father. Vous avez compris? Did you get it? Ça, yes. C'est le but du Saint-Esprit. This is the purpose of the Holy Spirit. Yes, sir. Pourquoi? Why? Pour que Dieu lui-même so God himself vienne habiter en toi. Can come dwell in you. Vous qui avez le Saint-Esprit. You who have the Holy Spirit. Laisse-moi t'informer que tu n'as rien d'autre que Dieu. Let me make you aware that you don't have anything else but God. Le même Dieu qui a marché en Galilée. The same God that walked in Galilee. Le même Dieu qui a créé toutes les choses. The same God that created everything. C'est le même. Excusez-moi. Sorry. C'est le même Dieu qui est en toi. That's the same God that is in you. Vous comprenez, non? You understand the truth. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Do you understand the Holy Spirit? Il n'a rien d'autre que Dieu. Doesn't have anything else but God. Quel Dieu? Only God. Dieu le Créateur. Which God Creator? Il habite en toi. He dwells in you. Il habite en toi. He dwells in you. Il est dans ton cœur. He's in your heart. Et il te conduit. And he leads you on. Il te donne de l'onction que tu sens. He gives you that anointing that you feel. Ah, je dois y arriver. I'm gonna get to it. Please, amen. C'est que tu es en toi. What you have in you, hallelujah. Frère Branham a dit dans la prédication la divinité de Jésus-Christ. Father Branham say in Jesus Christ. Il a dit que aujourd'hui la divinité n'est pas au ciel. He said today the Godhead is not mais in la heaven. Divinité est dans le cœur des croyants. But the Godhead is in the heart of the believers. C'est les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. The people who are baptized with the Holy Spirit. Ils ont Dieu à l'intérieur d'eux. They have God inside them. Quel Dieu? Celui qui a créé les astres. Celui qui a créé les planètes. Celui qui a créé les mers, les océans. Celui qui a créé la terre. Celui qui a créé les arbres. Celui qui a créé les lions. Il habite en toi. Ça devait te faire du bien. Il habite en moi. De qui aurais-je peur? Who am I going to be afraid of? De qui aurais-je crainte? Am I going to be feared? Je craindrai qui, frère? Am I going to fear, brother? Si le Créateur des cieux et la terre, the creator of heaven and il habite dans mon cœur. Dwells in my heart. De qui aurais-je peur? Who am I going to be afraid of? Come on now, come on now. De qui aurais-je crainte? Who am I going to fear? Je craindrai toi, Solange. What am I going to fear? Si le grand roi du ciel, the great God of heaven, celui qui a toute la puissance, that has all the power, celui qui a créé le soleil, il a créé la lune, les étoiles, les astres, il habite dans mon cœur. De qui aurais-je peur? Who am I going to be afraid? Qui est plus fort que celui qui est à moi? Who is stronger la Bible dit dans 1 Jean 4, je parle. Il a dit que petits enfants, vous les avez vaincus. You have defeated pourquoi them. Nous les avons vaincus? Parce que celui qui est en vous, he is in you. Il est plus grand. Greater. Il est plus grand. He's greater. Il est plus grand he's greater. Que celui qui est dans le monde. Then who is in the world? Vous croyez à ça? Do you believe I do? Celui qui est en toi. He is in you. Ce soir. Tonight. Il est plus grand. He's greater. Que tout Lucifer, que tout l'enfer, then all Lucifer, que tous les démons, que tous les magiciens, all the magicians, que tous ces esprits méchants, all those, ces esprits du monde des ténèbres, celui qui est en toi là, he is in you. Il est plus grand. He's greater. Vous croyez à ça? Do you believe that? Il est plus grand. He's greater.
Je suis venu ici le matin. I came here in the morning. Après que j'ai causé avec le frère José, mon cœur était touché. J'ai quitté ma maison, je suis venu m'agenouiller. I left home, I came to j'ai dit, oh Dieu, said, oh God, fais Yébana que celui qui est à nous, let it not be not that the il est plus grand que tous ces mondes-là qui sont. Tous ces mondes-là qui ont touché au gris-gris, ils doivent savoir que ce que nous avons, c'est plus grand que les gris-gris. Ce que nous avons, c'est plus grand que la magie. C'est plus grand que tout ce que le diable peut avoir. Vous croyez à ça, monsieur? Est-ce que vous croyez à ça, mes frères? Ce que toi tu as, c'est plus grand que le vaudou. C'est plus grand que la sorcellerie. C'est plus grand que la magie. C'est plus grand que les francs-maçons. C'est plus grand que toutes sortes de magies. Celui qui habite en toi, c'est le créateur. Vous croyez à ça? Do you believe that? Celui qui est en toi, who is in you? C'est celui qui fait agenouiller Lucifer. Quand il est en train de marcher, la terre est en train de trembler. Hell is trembling. Celui qui est en toi, who is in you? Je parle de ton père. Je parle de ton Dieu. Quand on cite son nom, when they say his name, je dis quand on cite son nom, oh, I say when they say la terre est en train de trembler. Hell is trembling. Lucifer ne peut pas supporter. Lucifer cannot bear. Pour citer le nom de ton père. To say the name of your father. Mais où se trouve ton père? Where is your father? Il ne se trouve pas au ciel. He's not in heaven. Il se trouve dans ton cœur. He's in your heart. Il te donne la puissance. Gives you the power. Il te donne le courage. Gives you the courage. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, frère? Given, brother. C'est pour faire que tu sois haut. Is to bring you up. Pour que toi tu domines. So you can have dominion. Pas pour qu'on te domine. No, so they can dominate you. Tu m'écoutes? Are you listening? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why was the Holy Spirit given? Que tu sois puissant. So you can be powerful. La puissance, ça ne se montre pas comme ça. The power is not seen this way. C'est dans les muscles. It's in the muscles. C'est à l'intérieur. Inside. C'est la chose que tu as à l'intérieur. That's the thing you have inside. C'est ce qui fait de toi puissant. That's what makes of you mighty. Et tu as Dieu en toi. You have God in you. Élie savait comment l'utiliser. Elijah knew how to use it. J'ai Dieu. I'm God. Allons sur mon Carmel. Let's go up on Carmel Mount. Assemblée chrétienne de Charlotte. Christian Assembly of Charlotte. N'ayez pas peur. Don't be afraid, never. Mon Carmel, c'est tous les jours. Carmel Mount is every day. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Ne reculez pas. Don't you step back. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Frère Bonhomme a dit dans la prédication possédant les portes de l'ennemi. Il a dit que l'épouse ne peut pas reculer. Said the bride can't. C'est le diable qui doit reculer. L'épouse doit avancer. The bride gotta step l'épouse ne reculera the jamais. Bride never step back. La semence royale d'Abraham. Tu ne peux pas reculer. You cannot step tu back. Dois avancer. You need to step tu dois back. Avancer. Step tu dois avancer. You need to step comme Shamgar. Like Shamgar. Comme Shamgar. Like Shamgar. Comme David. Like David. Comme David. Like David. Comme Moïse. Like Moses. Comme Élie. Like Elijah. Comme Shadrach. Like Shadrach. Meshach. Abednego. Abednego. Comme Daniel. Like Daniel. Tu dois avancer. You need to advance. Tu ne peux pas reculer. You cannot step back. Tu dois avancer. You gotta step ahead. C'est le cri que le général à 5 étoiles te lance. That the shout of general. Move forward. Allez de l'avant. Tu n'as jamais appris comment reculer. Never learned how to go back. Tu ne recules pas. You don't step back. Ce soir, est-ce que tu m'écoutes? Tonight, are you listening? Tu es sur le point de prendre une décision. You're about to take a decision. Tu es sur le point de faire quelque chose. You're about to do something. Go forward. Avancez. Go forward. Avancez. Tu as Dieu avec toi. You have God with you. Pas des hésitations. No hesitation. Allez de l'avant. Go forward. La colonne de fer avance. The pillar of fire. Avancez avec ça. Advance with that. Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez ça? Do you believe? Tu veux être plus spirituel. Be more spiritual. Avancez. Go forward. Tu arriveras. You'll get to it. Tu as besoin de devenir parfait. You need to become perfect. Go forward. Avancez. Avancez. Go forward. Tu as besoin du réveil. Avancez. Go forward. Ne reculez jamais. La colonne de fer devant toi. The pillar of fire is in front of you. Tu as besoin de faire les affaires. You need to do business. Move forward. Avance. Tu ne reculeras jamais. Never step back.
Si vous croyez que je suis un homme de Dieu, vous croyez que Dieu est ici, c'est Dieu qui te parle. I believe that. Tu dois avancer. You have to step. Tu ne reculeras pas. You never step back. Tu n'as jamais appris comment reculer. On a dit à Josué, avancez Josué. Même devant les murailles de Jéricho, avancez. Go forward. Devant les Jourdains, c'est pas toi qui ouvriras la mer. You want to open the sea. Prends la parole de Dieu. Place ça devant. Ça s'ouvrira. That will open. Avancez. Go forward. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne à Dieu des acclamations. Give to God applause. Je me sens très bien. Feeling so well. Dieu a créé l'homme. God created the l'homme man. Était tombé. The man fell. Mais il fallait racheter l'homme. But he was to redeem the man. Dieu lui-même. God himself. Il est venu maintenant à l'image de l'homme. He came in the image of the man. This is what I like. C'est ce que j'aime. Avant, Dieu a créé l'homme à son image. God created the man. L'homme a tombé. The man fell. Maintenant, Dieu a changé de calcul. Now God changed the calcul. Lui-même. Himself. Il a dit parce que je dois sauver l'homme. Because I had to save the man. L'homme a échoué. The man failed. Moi-même, je vais venir. Myself I'll come. Je l'ai créé à ma ressemblance. At my likeness. Je l'ai créé, mais il est tombé. But he fell. Maintenant, moi, je vais prendre sa forme. Now I'll take his shape. La terre. The ground. Les gangas film et les commandos. The commando. Le véritable héros, Jésus-Christ. The true hero, Jesus Christ. Il a dit, l'homme est tombé. Je change de calcul. Moi-même, je vais partir. Myself, I'll go. Je vais aller. I'll go. Moi-même. Myself. J'irai. I'll go. J'irai. I'll go. À cause de mes enfants. Because of my children. De l'Assemblée chrétienne de Charlotte. J'irai. I will go. À cause de mes enfants. Because of my children. Pour leurs problèmes. J'irai. I'll go. À cause de mes enfants. Because of my children. Pour leurs difficultés. The difficulties. J'irai. I will go. Zabana m'a dit. Proverbs. Le Dieu qui était dans la colonne de feu. The God that was in the pillar of fire. Il a pris la décision. Took the decision. De devenir homme. To become a man. Notre parrain rédempteur. A kinsman redeemer. Le seul qui pouvait nous racheter. The only one that could redeem. Il devait être comme un homme. Was to be like a man. Et si nous partons dans l'histoire de Ruth et de Boaz. Story of est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il y a des ceux qui disent que William Branham est notre Boaz. Say, ils iront en enfer. I will go to hell. Vous irez en enfer sans escale. Those people. Notre parrain rédempteur, c'est Jésus. Jésus Christ est notre parrain rédempteur. Jesus Christ is our kinsman redeemer. That's right. Nous sommes comme Ruth avec moi, avec Naomi. Like Ruth and Naomi. Ton Dieu. Your God. Deviendra notre Dieu. We'll become our God. Là où tu dors. There where you sleep. C'est là que je dormirai. That's right, sleep. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Et Moïse, Naomi. Naomi. Devait être racheté par Boaz. Was to be redeemed by Boaz. Le parrain rédempteur. The kinsman redeemer. Are you there with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Papa nous a dit. Papa me dit. Jésus Christ. Jesus Christ. Nous a racheté. Has redeemed us. Nous a appelé d'être là. He's called us to be there. Pour glaner. To glean. Comme Ruth était en train de glaner dans les champs de Boaz. Ruth was gleaning in the nous aussi nous sommes en train de glaner dans le message de l'air. Yes, so gleaning in the message of the earth. Les choses que Dieu nous a laissées. Things that God has left us. Les secrets que Dieu nous a laissés. That God has left. Je pense que j'ai dit vrai. You vous croyez à ça? Do you believe notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Somebody repeat notre Boaz, c'est le Seigneur Jésus Christ. Is the Lord Jesus Christ. Notre parrain rédempteur, ce n'est pas William Marion Branham. Le rédempteur de William Marion Branham, c'est le Seigneur Jésus Christ. Le Dieu de William Marion Branham, c'est le Seigneur Jésus Christ. Le Dieu de tous les prophètes, c'est le Seigneur Jésus Christ. Et notre Dieu dans cette église, c'est le Seigneur Jésus Christ. Donne-lui des acclamations, frère. Give him applause, brother. Vous croyez à ça? Do you believe that? Jésus Christ. Jesus Christ. Le Dieu, il a dit, il va prendre la forme d'un homme. He said, I'm gonna take the shape of a man. Il est venu entrer dans le ventre de Marie. Came to step in the womb of Mary. Un enfant qui est né sans papa. A child that is born without a father. On dit, l'esprit va. You say the spirit is gonna. L'envelopper. De son ombre. Will overshadow her. Et lui dit celui qui m'a vu. And he said the one who has seen me. A vu mon père. Has seen my father. Ton père encore c'est qui? Who is your father then?
Il a dit là-bas dans Jean. He said, John. Je suis venu avec le nom de mon père. I came with my father's name. Vous ne m'avez pas reçu. You didn't receive me. Si quelqu'un venait avec son propre nom, with his own name, c'est alors que vous le recevez. That when you receive him. Quel est le nom qu'il avait amené? What's the name that brought him? Jésus. Jesus. Donc le nom du père c'est qui? Who is the father's name is who? Jésus. Jesus. C'est très clair. That's very clear. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ces choses doivent être claires pour nous. This thing's gotta be clear for parce us. Que nous sommes les adorateurs de Jésus. Because we are Jesus worshippers. Moi, je suis le prédicateur de Jésus. I am the preacher of Jesus. Je prêche Jésus. I preach Jesus. Et je ne prêcherai que Jésus. I preach only Jesus. Je ne prêcherai pas un homme. I won't preach a man, no. Je ne gagnerai rien. I won't get anything. C'est l'affaire des intérêts. That's the interest business. J'ai besoin de parler de quelqu'un qui a la fin de ma vie. Il va m'enlever. Will take me up. Même si je suis dans la tombe, I'm in a tomb. Il va me ressusciter. Rise me. Je n'ai pas besoin de parler d'un homme qui jusqu'à aujourd'hui il est dans la tombe. Je parle de quelqu'un, le seul, le véritable, l'incomparable, qui a laissé la tombe vide. Et son nom c'est le Seigneur Jésus Christ. Vous croyez à ça dans cette église? C'est votre Dieu, frère. It's your God, brother. C'est ton Dieu, n'est-ce pas? It's your God, isn't c'est ton Dieu, non? It's your God, right? C'est ton Dieu, c'est ton Dieu, c'est ton Dieu. Yes, et si vous avez un autre Dieu que Jésus? Do you have another God? Jesus? Mais même pas dans la pensée. Not even in your thought. Non, ça n'existe pas. Doesn't exist. Non, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Our God is the Lord Jesus Christ. Et lui, il a proud of him. Nous sommes fiers de lui. We're proud of him. Il a donné toutes les preuves pour être notre Dieu. To be our God. Tu sais quoi? Je l'aime. You know what I love? Il est l'incomparable. He's incomparable. Le plus beau d'entre 10 000 tout mon âme. Tu sais quoi? Il est le plus beau. Oh, what is the first? Il est le meilleur. The best. Le merveilleux. The wonderful. Le Seigneur. The Lord. Le Jéhovah. The Jehovah. Rapha. Rapha. Shama. Shama. Olam. Olam. Shaddai. Shaddai. C'est ça mon Dieu. That's my celui qui était, celui qui est, celui qui vient, la racine et les rejetons de David, le véritable témoin fidèle, le point de référence final, le juge suprême, donc au-dessus de lui il n'y a personne. Ça c'est mon Dieu. That's my God. That's my God. C'est mon Dieu. Le roi des rois, King of Kings. Le Seigneur des seigneurs, the Lord of Lords. Le sauveur de l'humanité, le Dieu de Branham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jérémie, le Dieu de Daniel, le Dieu de Meshach, de Shadrach, d'Abednego, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu de Pierre, le Dieu de Branham, le Dieu de Béka, qui est aujourd'hui mon Dieu. That is my God today. Vous l'aimez? Do you love him? Faites un peu le bruit pour lui. Make some noise for him. Donnez-lui un peu des acclamations. Give him some applause. Le Wabishima. Wabishima. Le Wabishima. God of wonders. Le Wabishima pour toi. God of wonders. Le Wabishima. God of wonders. Le Dieu des miracles. God of wonders. Jehovah of miracles. Jehovah des miracles. Le Dieu des miracles. Dieu des miracles. Le Seigneur des seigneurs. Lord of lords. Le plus beau parmi 10 000. The first of 10,000. Lui qui est l'ensemble des prophètes. He's the gather of the prophet. Plus. Plus. La divinité. The deity. Je vois que vous comprenez ça très bien. Want you to understand. Ensemble de Moïse. Gather of Moses. D'Élie. Elijah. De Jérémie. Jeremiah. D'Élisée. Elijah. De William Branham. William Branham. De Malachi. Malachi. De tous les prophètes. All the prophets. Plus. Plus. La divinité. The deity. L'unique à son genre. The unique. L'incomparable. Alléluia, incomparable. Donnez-lui un nom que tu veux. Donnez-lui ça. Name the name that you want. Donnez-lui le nom que tu veux. Name the name that you want. Alléluia. L'incomparable. Incomparable. La rose de Sharon. Alléluia, the word of Sharon. La lune de la vallée. The lily of the valley. L'étoile brillante du matin. Oh, the shining star of the morning. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia, never lack. Lui qui est notre refuge. He's our refuge. Notre bannière. Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Jéhovah le pourvoyeur. Jéhovah le provider. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. El Olam. El Olam. Le Dieu mystérieux. The mysterious God. Le Dieu de paradoxe. Oh, the Père. Alléluia. Paradoxe.
My Lord. Tu le mets dans cette salle. Il est l'unique à son genre. L'incomparable. Il est plus que Becca. Il est plus que Branham. Il est plus que tous les gens. Plus que tous les dieux. Il est plus que Baal. Plus que Mahomet. Plus que Mahomet. Plus que Baal. Il est plus que Mahomet. Il est plus que William Branham. Vous l'aimez dans ce sens. La Bible dit, le monde l'a tellement humilié. Et son père l'a tellement. Souverainement. Jusqu'au point où il doit baisser la sainte tête. Pour regarder les cieux. Dieu lui a donné un nom. Qui est élevé. Au-dessus de tous les noms. Au point que devant ce nom-là. Tous genoux doivent fléchir. Et toutes langues doivent confesser. Que Jésus-Christ est le Seigneur. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il a toute la puissance. Parce qu'il a toute la puissance. Just because he is powerful. Parce qu'il est tout puissant. Ça veut dire que s'il existerait un autre Dieu, il est powerless. Il est sans puissance. Si au ciel il y a un autre Dieu, à part le Seigneur Jésus-Christ, pour commencer, ses genoux doivent fléchir. Sa langue doit confesser que c'est Jésus est Seigneur. Et ensuite, il est powerless. Et then il est sans puissance. Si vous l'aimez, acclamez très fort pour le Seigneur. Donnez-lui des acclamations. Give him applauses. Praise the Lord. Oh là là, je parle du Saint-Esprit. Pray about the Holy Spirit. C'est comme s'il fait chaud. It's like it's hot. Alléluia. Praise the Lord. Je parle du Saint-Esprit. Pray about the Holy Spirit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why was the Holy Spirit given? Pour que nous puissions connaître ce que je venais de vous dire. So we can know what I just c'est said. La révélation suprême. That's the supreme revelation. Qui est la divinité suprême. The supreme deity. Du Seigneur Jésus-Christ. The Lord Jesus Christ. Alléluia. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Before there's no God. Maintenant, il n'y a pas de Dieu comme lui. Like après lui, il ne se formerait jamais un Dieu after comme lui. Like il est l'unique, papa. Unique. Il est le seul. He's the only one. L'incomparable. He's celui qui a créé des écureuils. C'est lui. Oh, that's him, that's him. Celui qui a calmé la tempête. C'est lui. That's him. Celui qui a donné la vie au petit poisson. C'est lui. Alléluia. Celui qui a donné la vie. Les sérieux enfants d'Athiroïde. C'est lui. That's him. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Rédempteur, c'est lui. That's him. Le Sauveur, c'est lui. That's him. Celui qui nous a rachetés, c'est lui. That's him. Il est le tout en tout. He's the all in all. Vous comprenez cela? Do you understand that? Si vous avez compris, dites amen. If you didn't say amen. Aïe, 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 c'est un peu difficile que je continue. It's kind of difficult for me to continue. Oh là 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 là. Oh my, oh my, oh my, oh le my. Le Dieu my. Du ciel. God of heaven. Il est venu habiter en nous. He came to dwell in us. Son plan était d'habiter en nous. His plan was to dwell in us. Ah, je dois continuer là où il fait chaud. I have to continue where it's hot. Vous savez pourquoi? You know why? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Why did he come? Pour habiter en nous. To dwell in us. C'est pour nous donner l'adoption. Is to give us the adoption. Nous amener à l'adoption. Take us to the adoption. Nous qui hier on n'avait pas de valeur. As yesterday we nous qui étions candidats pour l'enfer. We were candidates for hell. Mais il a donné un grand mystère. A great mystery. Dans la Bible. The Bible. C'est qu'il devait nous racheter. He was to redeem us. Il devait nous adopter. He was to adopt us. J'aime ça. Yes. Nous devions devenir ses enfants dans l'adoption. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Nous devons devenir ses enfants dans l'adoption. Jésus nous a adoptés. Ce n'est pas William Branham. Not William Branham. C'est Jésus qui m'a adopté. Il m'a donné son nom. La Bible dit, même les familles là-bas au ciel, les familles sur la terre, est nommée Jésus-Christ. Donnez-lui des acclamations. Give him applauses. Il nous a adoptés. Yes, adopted us. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il why été donné? Given? Pour nous amener à l'adoption. To bring us to the adoption. Est-ce que vous avez compris cela? Did you get that? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Given? Pour manifester Dieu. To manifest God. Ici, je dois lire. Yeah, I have to read. C'est au paragraphe 83. Frère Branham dit, 83, Frère Branham. Jésus savait Jesus knew. Qu'il allait y avoir un grand mouvement intellectuel.
there would have been a great intellectual move. Je lis le prophète. I'm reading the prophet. Jésus savait. Jesus knew. Qu'il allait y avoir un grand mouvement intellectuel. A great intellectual move would happen. Tout comme il y en avait eu un à son époque. As there was one in his time. Il savait qu'ils allaient faire ça. He knew they would do that. Il savait qu'il devait y avoir des gens intellectuels. He knew there would be intellectual people. Oh, Branham a dit, Branham a dit. Branham avait fait, Branham et Branham. Jésus était bien informé. Jesus was very well aware. Vous comprenez cela? Do you understand that? Alors il a dit, then he said, attendez une minute. Wait up a minute. Je ne vais pas vous laisser orphelin. I'm not leaving you comfortless. Je vais revenir pour être avec vous. I'll come back to be with you. C'est pourquoi il a dit, that's why he said, les œuvres que je fais, the works I do, vous les ferez aussi. You will do them as well. Somebody can shout amen. Est-ce que quelqu'un peut crier amen? Paragraphe 44. Les buts pour lesquels the purpose why? Dieu a envoyé le Saint-Esprit, God sent the Holy Spirit. C'était que Dieu continue à travers un groupe de gens, God was to continue through a group of people, à continuellement manifester Dieu. Alléluia! To manifest God continually. Où, pasteur? Where, pastor? Au monde. In the world. That's right. Pourquoi vous avez reçu le Saint-Esprit? Why did you receive the Holy Spirit? Pour ne pas devenir intellectuel. Do not become intellectual. No, 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 no. Pour manifester Dieu continuellement. To manifest God continually. Vous comprenez cela? Do you understand that? Amen. Pour faire ce que vous êtes en train de voir. To do what you're seeing. Dieu qui descend dans la salle. God coming down in the qui room. Qui agit dans la salle. Working in the room. Ça c'est le but pour lequel on a reçu le Saint-Esprit. Pour enlever les lunettes de Niati. Pour enlever la maladie dans sa colonne vertébrale. Ça, c'est le but. That's the purpose. Pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. For which the Holy Spirit was sent. Pour faire que David Mikombo soit spirituel. To make David Mikombo to become spiritual. Ça, c'est le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. That's the purpose why the Holy Spirit. Pour changer le nom de Léa. To change Leah's name. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? C'est le but pour lequel le Saint-Esprit that a été envoyé. Why the Holy Spirit was sent. Pour enlever l'asthme. To remove asthma. Pour guérir maman aimée. To heal mama aimée. Ça, c'est le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. The Holy Spirit was sent. Est-ce que vous croyez à ça, Église? Do you believe that church? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été why envoyé? The Holy Spirit sent. Pour manifester continuellement Dieu. To manifest God, the only God. Pas seulement la théorie. Not only theory. Pas seulement la mécanique. Not only mechanics. Mais la mécanique. But the mechanics. Et la dynamique. And the dynamic. Tu parles un peu. Dieu descend. God comes down. Tu parles un peu. Wabishima descend. When it comes down. Tu parles un peu. A little bit. Jesse est né. Jesse is born. Le petit frère de Jesse viendra. The brother of Jesse. La petite sœur de Jesse viendra. The sister of Jesse. Ça, ce n'est pas la mécanique. That's not the mechanics. Ça, c'est la mécanique. That's the mechanics. Et ça, c'est la dynamique. That's the dynamic. Many men. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Why was Holy Spirit sent? Pour dire Batonasu. Say Batonasu. Songa nanzotoyo. Come back in this body. Pas seulement les théories. Not only theories. Non. No. Non, pas seulement les théories. Not only theories. Non. No. Mais pour vous donner la puissance. But to give you the power. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été why envoyé? Why was Holy Spirit given? Pour nous donner la puissance. Répétez, pour nous donner la puissance. Repeat, to give us the power. To give us the pourquoi power. Le Saint-Esprit a-t-il été why donné? Was the Holy Spirit given? Pour nous donner la puissance. To give us the power. Répétez, pas pour nous donner. Not to give us. Pour me donner. But to give me. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été why envoyé? The Spirit sent? Pour te donner la puissance. To give you the power. Pour te donner la puissance. Give you the power. Pour te donner la puissance. Give you the power. Pour te donner la puissance. Give you the power. Pour te donner la puissance. Give you the power. Pour te donner. To give pour you. Te donner. Pour to te give, donner. Give you. Pour vous donner. To give pour God. Vous donner. To give you. Pour 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 vous donner la to puissance. Give you the power. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère Jérôme, pourquoi? Pour te donner la puissance. To give you the power. Pour que tu deviennes puissant. So you can become powerful. Pourquoi tu as le plein Saint-Esprit? C'est pour devenir puissant. To become mighty. Pour dominer. To dominate. Pour régner. To reign. Pour prononcer la parole. Say the word. Et la chose doit arriver. And the thing must come to pass. Je ne sais pas si vous comprenez ça. I don't know if you understand that. Mais moi, je le comprends.
But I understand. C'est pour te donner la puissance. Give me the power. Pour vous donner la puissance. Give me the power. Pour te donner la puissance. Give me the power. Est-ce que vous acceptez ça? Do you accept pour that? Pour te donner la puissance. Give me the power. Pour te donner la puissance. Give me pour the te power. Donner. Give me the power. Pour te donner. To give you. Pour te donner. To give you. Pour vous donner la puissance. Give you the power. Pourquoi le Saint-Esprit? Why was the Holy Spirit? Pour te donner l'onction. Give you the anointing. Moi, je me sens bien. God bless you. C'est pour te donner la puissance. To give you the power. C'est pour te donner la puissance, frère. To give you the power, brother. C'est pour te donner la puissance. To give you the power. You believe it. Ce que tu crois. C'est pour te donner la puissance, frère. To give you the power. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why has it been given? Pour nous donner la puissance. To give us the power. Est-ce que vous recevez cela? Do you receive it? I do. Est-ce que vous acceptez cela? Do you accept that? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Given? Pour te donner de l'onction. To give you anointing. Frère Branham a dit, le Saint-Esprit a été envoyé pour te donner l'onction. To give you the anointing. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit sans cessation. Je n'en disconviens pas. I don't think, mais il faut que moi m'y change. But you need to feel something. Tant que je suis bon de l'effet, you pray, you need to feel. Tu dois sentir quand même, hein? You need to feel really. Que non, ici, les transmetteurs sont entrés. Here now, the thing is coming. Ici, je me sens bien. I'm feeling well now. N'est-ce pas? Am I right? Tu marches un peu, tu te dis non, non. What can it be to say no, no? Je dois savoir, est-ce que... Alléluia! Est-ce que la chose est là? Is the thing there? Même si au travail. Even though you are tu veux savoir, est-ce qu'il est still there? Feel, est-ce qu'il est encore là? Father, I want to feel you. Père, je veux te sentir. Je veux sentir que tu es là. I want to feel that you're still there. Praise the Lord. Est-ce que vous l'aimez? Do you love him? Ce que vous voyez, c'est le Saint-Esprit. What you see is the Holy Spirit. Yes! C'est Dieu qui est en train de se mouvoir dans la salle. He is moving in the room. En train de confirmer que je vous dis la vérité. Indicating that I'm telling you the truth. C'est Amen. Le Saint-Esprit qui est en train d'agir. That Holy Spirit that is working. Si tu es disposé même maintenant, you are available even now. Il peut entrer dans ton cœur. Can get in your heart. La puissance de Dieu dans la salle. Power of God in the room. La colonne de feu dans la salle. The power, the pillar of fire. Pour te donner encore la puissance. To give you again the power. Pour te donner encore. To give you again. De l'onction. Anointing, praise the Lord. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? I do believe. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why was the Holy Spirit given? Pour nous donner la vie de prière. To give us a praise life. La prière sans le Saint-Esprit, c'est rien. The prayer without the Holy Spirit ce n'est pas puissant. It's not powerful. Ça n'ira nulle part. That won't go anywhere. Mais essayez de mettre l'Esprit derrière. Try to put the Spirit behind. Essayez de mettre la puissance derrière. Try to put the power behind. Hey, maman Nadine, tu es là? Maman Nadine, are you there? Je sais que tu es déjà saoulé là. I know that you're already drunk. Essaye un peu de prendre l'onction. Try to put the energy. Mettre ça derrière la prière. Put it behind the prayer. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Do you know what's going to happen? L'onction deviendra l'intelligence. The anointing is going to become intelligence. Behind your prayer, I'm shaking, frère. Je tremble, mes frères. Je tremble. I'm je sens prayer. Que Jésus est là. I feel Jesus here. Quand tu prends la prière, tu mets ici. Take the prayer, put it there. Tu prends l'onction, tu mets derrière. The anointing, you put it back. Tu sais qu'est-ce qui arriverait? You know what's gonna happen? Exactement comme David. Exactly like David. Il a pris la pierre. Took the stone. Il a jeté contre Goliath. He threw it against Goliath. Frère Branham a dit, what I'm saying? Il y avait une main derrière la pierre. There was a hand behind the stone. Une intelligence. An intelligence. Qui devait conduire la pierre avec précision. To lead the stone. Ça, ça doit atteindre le niveau. Must get to the level. Que cet homme-là doit tomber. This man gotta fall. Je parle de la puissance de la prière. The power of the prayer. La puissance de la prière. The power of the prayer. C'est une prière qui est remplie de l'onction. It's a prayer full of anointing. Amen, amen. La vie de prière. Praise life. Cette vie de consécration. That consecration life. Qu'est-ce qui amène ça? What does bring that? C'est le Saint-Esprit. That the Holy Spirit, amen. Vous croyez à ça? Do you believe that? Quand tu pries sous l'onction, when you pray under the anointing, l'enfer tremble. Hell trembles. Les sorciers sont en train de trembler. The sorcerers tremble. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? What is going on? Qu'est-ce qu'il y a? What's going on? C'est la prière d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. That is full with the Holy Spirit. Man, amen. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe that? Ne vous occupez pas du désordre qu'il y a là. Don't care about the disarray. C'est notre Dieu qui est en train d'agir. It's our God working. Et j'aime ça. And I love that, me too. Est-ce que vous aussi vous aimez ça? Do you love that as well? I do. Frère Branham m'a dit. À quoi sert le Saint-Esprit? What is the use of le Saint-Esprit sert à vous faire arrêter de fumer. To make us stop smoking. À vous faire arrêter de boire. Make you stop drinking. De vouloir être orgueilleux. To want to be proud. Ça va vous enlever cela. That will remove that. Qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit fera? What will the presence of the ça Spirit vous rendra humble. That will make you humble. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? What will the Holy Spirit do? Il sert à produire une vie sainte. He
is bringing or all his life. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? What we do if we vous fera arrêter le commérage. That will make you stop the gossip. Est-ce que vous croyez? Do you believe I do? Pour arrêter le commérage. To stop the gossip. Il ne faut pas la magie. Doesn't take the magic. No. The power of the Holy Spirit. La puissance du Saint-Esprit. Pour arrêter les critiques. To stop the critics. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. Yes, that's what I need. Pour gagner les âmes qu'ils viennent à Christ. To win the soul to tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. That's right. Et pour prêcher la parole. And to preach the word. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. That's right. Pour vivre une vie chrétienne. To live a Christian life. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. Est-ce yes, que vous croyez à ça? Do you believe that? Yes. Comment on m'a dit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Pour enlever tous les je ne peux pas. To remove all the I can't. Pastor, I can't. Oh, je I can't, Pastor, I can't. Je ne peux pas, Pasteur. No. No. Yes, you can. Tu le peux. Pasteur, c'est comme si je suis faible. Like oui, tu dois être faible. You have to be weak. Il est écrit que dans ta faiblesse parfaite, in your perfect il vient manifester sa force parfaite. Manifest his perfect strength. Many men. Pasteur, je ne peux pas. Pastor, I can. Non, ma soeur. No, my sister. You can. Tu peux. Tu peux. You can. Parce que moi, je n'arrive pas à prier. Pastor, I can pray. Non, c'est le diable qui parle. The devil tu peux. You can eat. That's right. Tu peux. You can do that. Tu peux. You can, yes. Ceux qui prient pendant longtemps, those who pray long, ils ne te dépassent à rien. They're not better than you. Vous avez le même Père. Alléluia. Same Father. Vous avez le même Dieu. The same God. Yes, you can. Oui, tu peux. Tu peux devenir un millionnaire. You can become millionaire. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Become anything that you want. Je vous le dis sous l'onction de Dieu. C'est à vous de le croire. It is just to believe. Tu peux devenir qui tu veux. You can become who you tu are. Peux devenir qui tu veux. You can become who you are. Ça dépend de ta confession. It is up to your confession. De tout ce que tu fais. Of what you say what you want. Tu peux déclarer tout ce que tu veux. Tu peux déclarer tous tes enfants. De Léa jusqu'à Jacques. Tous mes enfants seront au ciel. Et le ciel dira Amen. And heaven is going to say Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Tu peux dire que moi je suis béni. Le Père dira Amen. Father will say Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Tu peux dire que j'ai la puissance. Le ciel dira Amen. Heaven will say Amen. Oh, je me sens bien. Feeling well. J'ai envie de courir un peu. J'ai envie de sauter un peu. Like jumping a little j'ai envie de courir. Feel like jumping. J'ai envie de courir un feel peu. Like running a little j'ai envie de sauter un I peu. Feel like jumping a little j'ai envie bit. De faire quelque chose I feel pour like Dieu. Doing something for God. Praise the Lord. Pourquoi le Saint-Esprit m'a été donné? Why was the Holy Spirit given to me? Pour être comme Dieu. To be like God, that's right. Pour être comme Jésus. To be like Jesus. Pour avoir la communion avec mon Père. To have fellowship with my Father. Il est mon Père. He's my Father. Vous aussi. You as well. Alors qui peut vous juger? So who can judge you? Qui peut vous accuser? Who can accuse you? Votre juge, il est votre avocat. Your judge is your attorney. Il change la fonction. He changed the function. Alléluia! Il change de fonction. Oh, he changes. Alléluia, alléluia. Il te juge. Oh, he judges you. Et il t'avocat. Alléluia, and he's your attorney. Praise the Lord. That's my God. Praise the Lord. Cet avocat est de ton côté. Oh, attorney on your side. Peu importe ton erreur. Whatever your error. Lui, il voit la croix. He sees the cross, that's right. Il voit le sang. He sees the blood. On dit que ah, cet enfant. To say this child. Ah, cet enfant. This child, really. Je ne vois que le sang. I just see the blood. Je ne vois que mon sang. That all I see is the blood. Vous croyez à ça? Do you believe that I do? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why was the Holy Spirit given? Pour que tu sois fort. So you can be strong. Pour que tu ne puisses plus avoir des hésitations. So you won't have any hesitation. Non. No. C'est pour que tu aies de l'onction que so tu es en train de sentir. Anointing that you feel. Ce que tu sens là, c'est Dieu qui what le fait. You feel is God doing it. Il te signale qu'il est juste à Let côté de toi. Right on your side. Il te signale qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Today is your day. Il te signale qu'il n'y a pas de maladie qui sortira There's d'ici. No sickness that's gonna Il te signale qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Today is your day. I believe that. Vous croyez à ça? Do you believe I do? Amen, amen. Praise the Lord. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il oh été donné? Why was the Holy Spirit given? Pour provoquer l'enlèvement. To provoke the rapture. Vous croyez à ça? Do you believe that? Alleluia, alleluia. La Bible dit que la nature Bible said that the nature soupire
sighing. Attends voir la manifestation des fils de Dieu. Waiting for the manifestation of the sons of God. Mais comment ça arrivera? How is it going to happen? Il faut que le Saint-Esprit soit là. It takes the Holy Spirit to be there. Pour que vous puissiez manifester Dieu. So you can manifest God. Le Saint-Esprit provoque l'enlèvement. The Holy Spirit provokes the rapture. J'ai des citations ici. I got quotes here. Faut que après si on se betting our fort. Because I already have too much anointing. Je ne vois même plus mes citations. Don't even see my quotes. Je suis devenu, je ne sais pas comment. Became I don't know how. Flabon m'a dit. Proverbs au temps de lutter. In the time of Luther, il y avait un réveil. There was a revival. Vous dites amen. Do you say amen? I do say amen. Et ce réveil-là les a amenés seulement à vivre par la justification. Pour dire que les justes vivront par la foi. Vous êtes avec moi? Ça a continué. Il y avait les réveils au temps de Wesley. Et les réveils de Wesley avaient dit pas seulement que les justes vivront par la foi, mais il faut la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Flambeau Nama dit c'était bien. Il a dit le même réveil, ça a continué. Parti chez les pentecôtistes. Qu'est-ce qui était arrivé là-bas? Le retour des dons spirituels. Dans l'église, ils avaient le Saint-Esprit. Mais ils avaient les dons. Mais ils se sont comment on a dit? Ils se sont organisés. Et Dieu n'aime pas l'organisation. Quand ils se sont organisés, ça va le bien. Hein? Moi, je ne suis pas dans l'organisation. Fabien m'a dit, et ça a continué. Dans l'âge de l'épouse. C'est ce que vous avez. Fabien m'a dit, ce que vous avez, c'est plus loin. Vous êtes allé très loin que le pentecôtiste. Car ils sont toujours dans les dons. Nous, on a sauté le niveau des dons. C'est la personne même du Saint-Esprit qui vient habiter dans les cœurs de quelqu'un. Pour être un chrétien aujourd'hui, tu n'as pas besoin seulement de la théorie. Tu as besoin de la vie de Christ dans toi. Est-ce que vous comprenez cela? Je pense que vous avez compris ma leçon. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour te donner des visions, des prophéties, pour te donner des émotions, la révélation de la parole, pour t'amener à croire à la parole. Tu ne croiras pas à un credo. Tu ne croiras pas à quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit ne croira qu'à sa parole. Le Saint-Esprit ne dira amen qu'à sa saying, parole. Est-ce que vous croyez à ça? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour te donner la puissance. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God is able to do it. Dieu est capable de le faire. Couvrez vos têtes. By your heads.
Vous réalisez que Jésus est ici. À l'instant là, rien n'est impossible. Oh, je le sens bien. Jésus est dans la salle. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il le fera. Hey! J'aime prêcher un Dieu qui est vivant. Alléluia.